Salut à toutes et à tous, c'est Kairos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et c'est le troisième épisode de cette série du Fort Boyard. En parlant de Minecraft, je vous montre le Titanic, car je suis extrêmement content, mais la série marche du tonnerre. Franchement, c'est super gentil de tous vos commentaires, tous vos abonnements, etc. Donc on va pas perdre plus de temps. Franchement, un grand merci à vous tous. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir, parce que apparemment, il a plus à plus d'un d'entre vous. Donc maintenant il reste à ne plus vous décevoir sur ce Fort Boyard. Mais j'ai une grande nouvelle également, c'est que le prochain bâtiment qui sera à construire, ce sera le Burj Khalifa. Voilà, je ne dirai pas plus, nous allons commencer sans plus attendre. Donc premièrement, dans cet épisode, alors hop, on va se lancer une potion des... Pas ça. On va prendre une potion d'énergie. Alors j'en ai pour deux petites secondes, je vais voir, parce qu'il y a une mise à jour de fait. Là elle est de 20%, donc 40% là. Hop. Alors là, maintenant je dois aller très très vite normalement. Ah mais là c'est... On est... Ah ouais, mais ça dure que 40 secondes. Ça va pas le faire. Bref, tant pis, hein, on va faire avec, quoi qu'il en soit. Donc là, on va commencer déjà par mettre du grès. Donc, d'entrée de jeu, ça va être casse-couille, il faut le dire clairement. Ça va être casse-couille, mais on n'a pas le choix. Ça sera... comme le deuxième épisode, c'est un peu chiant à faire, hein, je vous comprends. Donc on va pas perdre plus de temps que ça à tergiverser, parce que même moi je me coupe l'envie. Donc on va remplir tout de gris. Et cela vous le faites à partir du bloc ici. Hop. Donc le deuxième bloc de pierre moussue. Et puis vous remplissez tout le Fort Boyard. Voilà. Et nous revoilà. Donc on a fini ce merdier sans nom. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va refaire et rebelote. On va refaire un truc chiant. Donc là on a fait les contours extérieurs, on va dire. Donc maintenant on va faire les contours intérieurs, si on peut dire ça comme ça. Je crois que le Fort Boyard on l'avait fait de... Oh, je me rappelle plus les dimensions. Bon, tant pis, ça fait un peu longtemps. Comme ça, de vue, je dirais que ça fait entre 35, on va dire, de large. Donc, 35 de large, donc ce qui veut dire qu'au milieu, il faut qu'il y ait une vingtaine de blocs, on va dire. Donc, on va déjà faire 15. Donc, 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Donc, on va essayer. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, et on arrondit à 9. Ça donne ça. Allez, on va faire 10, 11. Alors, on va partir sur 11, on va voir ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Je suis désolé, je suis malade, ça va être pénible tout le long de la vidéo. Donc voilà. Ça, là, est-ce que c'est assez... C'est pas grand chose, 11. Hein. On va faire 15, je pense. 11. 12. 13, 14, 15. Hop. Et là-bas, si je fais 15, 12, 13, 14, 15. Là, ça nous fait. C'est à peine mieux, je pense. Mais c'est peut-être maintenant un peu trop. Je pense qu'on va faire 14. On va faire 14, hein, faut être minutieux. C'est vrai que je pense qu'au final ça va pas trop jouer, mais vaut mieux prévenir que guérir, hein, comme on dit. Donc hop, on va mettre ça en place, et on va s'arrêter où là? Tac tac tac, donc on a dit 14, donc là on va repartir en faisant ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, hop, on s'arrête à 14. Donc c'est le 14e bloc, hein, c'est pas 15 quoi, c'est pas 14 et c'est le 15e qui reste. Donc bien 14 comme ça. Là ça va être simple, car on va faire comme ça. Hop. Donc vous remettez en face du décrochement, si on peut dire ça comme ça. Hop. Voilà. Et là il y a une couille dans le pâté.
Il y a une couille dans le pâté, effectivement. À mon avis, on va pas faire ça. Alors, on va faire ça comme ça. Donc là, vous avez les deux fenêtres et vous allez faire juste 4. Je vois pas bien à droite, j'ai l'impression. Hop, 4. Donc là, 4. Il y a combien de blocs là-bas? Il y a 4. Hop. Là. Là. Ouais, c'est bon. Et je... Enfin bref, désolé. Alors, désolé de ce petit contretemps. Alors là, faut qu'on aille en diagonale ce coup-là. En diagonale, il faut qu'on retombe face. Bah voilà, parfait. Parfait, parfait. On va faire 2, 2, 2 et 2. Voilà. Tout bête. Tout bête, tout bête. Mais on va peut-être faire ça comme ça. Ça sera un petit peu plus. Ouais, c'est un petit peu plus. Comment dire, ça fait un petit peu plus arrondi. À vous de voir comment vous préférez. Moi, je trouve que ça fait un peu plus arrondi si on fait 3 blocs seuls que 2 fois 2 blocs. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense que c'est mieux comme ça. Effectivement. Hop, on rejoint ici. Par contre, là, j'ai. Ouais, c'est vrai que c'est... je sais pas quoi dire. Alors, écoutez. Là, je pense être sûr de moi, ce qu'on va faire. Vous refaites une rangée derrière. Hop. On fait ça comme ça. Et là, on s'arrête comme ça. Tac. Ça, on s'en fout. On laisse pour l'instant pour pas perdre de temps. Hop. On refait 2. Tac. Et là... là, il y a une couille. Ah oui, bah oui. Effectivement, hop, faut qu'on aille un peu moins loin, hop. Et là, je pense que c'est beaucoup... Voilà, là, ça rend beaucoup plus beau. Donc, écoutez, si vous n'avez pas encore commencé la construction, on fait 13 blocs. Voilà, retenez bien, 13 blocs, point final. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc, on fait 13 blocs, on ravance un petit peu. C'est bon, ça prend 2 secondes. Hein. Bon, on va pas chipoter pour ça. Hop, ça, on s'en fiche. Hop, voilà. Tac et tac, voilà, hop, tout est réparé, vous avez vu, en une minute, tout est bon. Donc vous penserez bien à faire 13 blocs et pas 14 ou 15, hein. Bien entendu, voilà, là ça fait beaucoup plus arrondi. Et ça, je pense que c'est un détail pour le moment, mais vous verrez que plus, ça je bégaye un peu. Plus la construction avancera, plus ce sera un détail important, voilà. Du coup... Donc, dans les virages, il y aura 14 blocs. Et sur les côtés, ça sera 13 blocs. Voilà, on va y arriver. Donc, regardez, je vais vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, donc dans les virages, ce que j'appelle ces virages, c'est les sans largeur, quoi. C'est le plus petit des côtés du fort. 4 blocs maintenant. Tac. Tac, tac. Est-ce que je suis bien en face? Non, je suis pas en face. Forcément. Voilà. Là, je dois être en face. Nickel. Donc, 2 comme ça. 2 comme ça. Comme ça, vous allez bien comprendre. J'aime bien, bien préciser, c'est mieux. Hop. Donc, 2 blocs. 2 blocs. 1 bloc. 2 blocs. 2 blocs. Et on relie. Voilà, qui est parfait. Donc voilà, ça c'est super pour le moment. Maintenant, petit travail qui va être chiant également. Eh bien, le travail qui va être chiant, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faudra tout remplir ce mur. Faites comme vous voulez, mais je pense que c'est préférable de mettre la... Comment ça s'appelle? La cobble tout de suite. Parce que sinon, je pense que tout recasser et tout remettre, je pense pas que ça soit le bon plan. Donc voilà, vous mettez de la cobble tous les 6. Hop, voilà. Donc au 7ème bloc, là, par exemple. Et voilà. Donc 6, 6 blocs et 6 blocs d'intervalle. Parfait. Et là, bah, vous avez plus qu'à tout remplir, comme au second épisode où on avait fait tout le contour. Voilà, c'est reparti. Donc nous voilà, on a terminé le plus chiant entre guillemets. Il restera 2-3 trucs d'assez chiant, mais sinon en soi
Il restera plus grand chose, mais vous savez quoi, je vais me contredire dans la foulée. J'ai envie de vous dire, on va faire ce qui est chiant tout de suite, comme ça on n'en parle plus. C'est la dernière chose, c'est pas le plus chiant, mais c'est chiant à faire. Donc en fait, il faudra faire un sol engrais, hein, toujours. On le fait ici, voilà, juste en dessous de la cobble, pour faire le toit du bâtiment, le toit, toit terrasse un peu. Donc on fait ça et promis après je vous lâche. Mais de toute façon maintenant que vous êtes sur votre lancée, vous avez pas fait tout ça pour rien, dites-le vous. De toute façon on touche bientôt au but. Et honnêtement je pense finir, je pense que ça va être le dernier épisode, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'ellipses quoi, hein, car il y a eu beaucoup de choses pénibles à faire. Donc voilà, posez tous vos blocs. Et après, promis, il n'y aura plus rien de chiant, promis. Donc voilà, on a fini les parties les plus chiantes comme je vous l'expliquais. Donc maintenant on va prendre des planches de bois. Hop, planches en chaîne plutôt, excusez-moi. Donc là, on va partir d'où? On va partir, tac, 3, hop. Vous partez de 3 à partir du décrochement pour le demi-cercle. Hop, on part de 3 comme ça. Donc on va jusqu'à de l'autre côté pour reformer le 3, on va dire. Donc à 3 blocs, hop, nous voici, nous voilà. Comment c'est fait en fait? Donc là on va faire encore 3, donc voilà, vous faites comme je vous dis, hein. Et non pas comme je fais. Non, sérieusement, hop, voilà. On va refaire 3 un petit coup, je pense. Jamais 203. tac tac tac, voilà. 2 maintenant à présent. Hop. Et puis encore 2. Voilà. Et maintenant on va faire pareil de l'autre côté. Donc 3, etc. Donc vous refaites exactement ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai refait pareil, donc 2 encore une fois, voilà, oh merde, hop, voilà. Pareil de l'autre côté, encore une fois 2. Ça c'est pas trop mal. Après, qu'est-ce qu'on pourra faire? Donc on va faire à 1, on va essayer ça comme ça. 1, 1, et 1, parfait. Hop, je vais reprendre la potion vite fait. Voyons voir, prenons un peu de recul. C'est le plus important. Je pense qu'on va modifier légèrement. Alors, regardez, on va faire 4, 3, 2, faire 2 x 4 quand même. 2 x 4, du coup, hop, dans les décrochements, hein, je vous dis. Après, 3, voilà, parfait. Donc, 2 x 4, 1 x 3, parfait. Vous refaites pareil de l'autre côté, hein, on a pour 2 secondes, c'est important de soigner les détails. Je m'excuse, là j'avais peut-être pas préparé suffisamment ma vidéo. Donc après, j'espère que vous êtes indulgent avec ça. Hop, parfaitement parfait. Voilà, encore 3. Donc je vous explique, 2 x 4, 2 x 3, ok. Donc, vous retenez, 2 x 4, 2 x 3. On refait la deuxième fois le 3 ici. Sauf que là on a fait... 3, tac, tac. Et puis encore 3 ici. Voilà qui est bon. Donc là on va faire 2. 2. 2. Et on va faire. On va faire quoi? On va faire comme ça. Hop. Puis là, on va être. On va être bon là. Là on va être bon. C'est super ce qu'on a fait. Hop, de chaque côté, c'est nickel, c'est ce que je voulais. Faudrait trouver une petite astuce pour arrondir un peu plus tout ce bazar. Hop. Et puis, un ici. Hop là. Et là, c'est beaucoup mieux, parfait. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de refaire le deuxième étage, pareil que ce qu'on vient de faire. Donc là, on repart sur la cobble, hein, bien entendu. Donc on laisse toujours 3, hein. Hop, toujours 3 dans le décrochement, je vous réexplique comme ça vous êtes sûr. Là, hop, on reprend à 4 blocs. Donc, bien entendu, on fait les deux côtés pareil, hein, bien entendu. Hop, 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 4.
On refait 4, donc 2 x 4, 2 x 3, c'est en fait. Donc là, hop. Maintenant 3, hop, voilà. C'est des petits décrochements. C'est tout simple. Hein. C'est tout simple, mais j'aime bien quand c'est précis. Et puis même vous, je pense que vous aimez bien quand c'est précis également. Là, c'est 2. Donc hop, 2. Hop. Ça, comme ça. Alors, il y a un côté où c'est 2. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait correctement? C'est ça alors, hop. Voilà. Ça. Qu'est-ce que j'ai branlé? Hop. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce qui ne va pas à l'étage inférieur? J'ai dû faire 4, 4, 3, 3. 4, 4, 3, 3. Bah. Alors. Ça, c'est bon. Donc, ici, c'est bon. Là, 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 il en faut deux, là. Tac, 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 tac. Ah, là, il y a une couille dans le pâté. On va faire l'inverse, en fait. Parce que là, j'ai fait de la merde. Hop, on relève ce que j'ai fait. Donc, ne bougez pas, hein. Surtout, ne bougez pas, je vais me retrouver dans mon bordel. On enlève peut-être ça, ça ira peut-être mieux. Tac. Là, il y en avait deux tard. Putain, quelqu'un m'appelle, ça me fait chier. Alors, là, c'est bon. Ça, c'est bon. Là aussi. Là aussi, ça va pas, là. Donc, 4, 4, 3, 3, 2, hop. 4, 4, 3, 3, 2, hop. Là, on est bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ne va plus là? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, écoutez, on va continuer au-dessus. Donc là, j'avais fait ça comme ça. 4, 4, 3, 3, 2. Hop, et là, on fait le pont. Alors, on va faire ça comme ça. On va se retrouver là au-dessus. Je suis vraiment désolé. C'était pas prévu. C'est vraiment une année de merde 2017. Je loupe ma première vidéo. Je casse ma voiture. Décidément, il n'y a rien qui va du tout. Il n'y a rien qui va. Hop. Alors, on va faire ça à peu près comme ça. 2. Voilà, donc. Putain, là, ça sert décalé. Il faut que je comprenne ce que j'ai fait. Alors, ah mais en fait je le fais pas assez long le pont. Tout simplement je le fais pas assez large, je voulais dire. 2, 1, tac, voilà. Putain mais quel idiot. Quel idiot, en fait je ne faisais pas assez large le pont. Tout simplement. Voilà, c'est tout bête. Là, on est bon normalement. Super. Hop, hop, là-bas, tac, tac. Là, on est bon, donc du coup, là, on va faire pareil. Ah ouais, mais du coup, faut que je fasse... on va refaire ici, puis on va reprendre en bas, juste après. Hop, on refait 3, là, 4. Je suis désolé, ça doit pas donner un super rendu, cette vidéo. Bon, le principal, c'est que vous arrivez à faire le Fort Boyard, mais moi qui suis perfectionniste, je déteste, car là, je sais très bien que je suis en train de faire de la merde. Je tousse, je fais... je sais plus où j'en suis dans la construction. Et... ouais, du coup, ça fait une vidéo pas de tip-top, quoi. Hop, 4 et 3. C'est parfait. Non, 2 x 3, on avait dit. Hop, hop, nickel. Donc là, qu'est-ce qui ne va pas? Hop. Là, on va faire le truc de 2, là, que je disais. Attendez. Hop, on va se mettre à la hauteur comme ça. Hop, donc là. Tac, tac. Tac, 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 tac. En fait, ouais, c'est normal. En fait, c'est... oui, oui, j'ai compris, j'ai pigé. J'espère que vous avez compris aussi. En fait, dans la vidéo, il faudra juste écouter quand je fais le deuxième étage. Parce que sinon, c'est pas top. Voilà. Et là, c'est parfait. C'est nickel. Maintenant, on va mettre les barrières. Oh,
Ça a changé, ça, les bateaux. Enfin, bref. Maintenant, on va mettre les barrières. Où sont-ils? Alors, les barrières... Ah bah, elles sont là. Ouais. Je suis bête. Hop là. Alors, on met les barrières. Tant pis, on en met même là. Hein. Ça... Sinon, ça va pas faire... Ça va pas rendre superbe si on ne met pas des barrières partout. Et voilà, donc on a terminé les petits pontons. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire des entailles. Je me comprends quand je dis des entailles. Donc les entailles, comment on pourrait les faire? Je pense qu'on va faire des fenêtres de... Vu la superficie, je pense qu'il faudrait faire des trucs de 4 là. Des fenêtres de 4. Donc là, le pont, il fait combien? 4, ok, c'est 2 le milieu, ça c'est bon. Hop, on va faire des trucs de 4 comme ça. Voilà, vous faites 4 comme ça. Voilà, 4 par 4. Et hop, on remonte comme ça. Oui, 4 par 4, c'est ça. Voilà, donc là, on va en faire un peu partout. Donc déjà, une ici également. Hop. Donc celle-ci, il faudra mettre des barrières. Je vous le dis tout de suite, je ne ferai pas l'intérieur. Après, ça sera à vous de le faire. D'ailleurs, il faudra que vous remettiez du plancher si vous voulez faire les salles. Car tout simplement, je ne suis pas quelqu'un qui aime faire les intérieurs, mais j'aime pas du tout. Hein. De toute façon, dans mon serveur, pour ceux qui sont déjà venus, il n'y a rien de fait à l'intérieur, clairement. Je trouve ça nul de décorer l'intérieur, et moi j'aime bien les choses impressionnantes, donc c'est pour ça que j'aime bien faire les gros bâtiments, et c'est pour ça qu'on va faire le Burj Khalifa pour la prochaine vidéo. Voilà, 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 voilà. Les fenêtres sont... faite. Donc maintenant, on va en faire une tous les 4, on va dire. Tous les 4, ça va peut-être faire un peu trop. On va regarder. Hop, on en refait une ici. Parfait. Bah écoutez, on va en faire une... j'ai envie de vous dire une tous les 4. Ça doit être pas mal. Tous les 4, je vais regarder, je vais jeter un petit coup d'œil sur le plan que j'avais fait à la main. Ou peut-être que si on les faisait à peine, hop, comme ça, comme... Je sais pas ce qui est le mieux après, donc après à vous de choisir, clairement. Je pense que le mieux c'est comme ça, Et tous les 4, comme ça, ça nous fait assez de fenêtres, on va dire. En fait, ouais, je vais encore changer, je suis vraiment désolé. Le mieux, c'est peut-être encore de rester comme ça. Hop. Après, c'est à vous de choisir, hein, c'est à vous de voir. De toute façon, j'ai toujours dit que le mieux dans Minecraft, c'est de personnaliser nos constructions. Et c'est pour ça que je l'ai fait tel quel. Hop, là, 2, tac, tac, tac. Donc après tous les 4, maintenant ça va aller vite. Donc on va faire le premier étage ensemble, après vous pourrez le faire tout seul. Pour ne pas perdre de temps dans la vidéo, voilà. Alors là, on en refait une, donc tous les 4. Et donc au final ça sera des fenêtres de 2 blocs par 4 blocs de hauteur. Là, ça sert pas à grand chose d'en faire une. Mais je pense que niveau esthétique, parce que honnêtement, si vous faites le Fort Boyard, c'est esthétique. C'est pour l'esthétique. Ah, en plus, c'est parfait quand on fait des fenêtres comme ça, parce que ça tombe pile poil dans le virage. Donc, oui, je disais, si vous faites le Fort Boyard, je pense que c'est pour l'esthétique avant tout. Donc, bien entendu, il faut soigner l'esthétique, surtout extérieur. Parce que les gens n'ont jamais trop regardé le Fort Boyard de l'intérieur, à vrai dire. Hop, ça c'est bon. Et on en refait une là. Nous voilà bon. Alors maintenant on va s'attaquer au virage, car je sais pas trop comment les faire dans les virages. Bah écoutez, ça va être tout simple comme ça. Hop. Après on refait 2. 4 je voulais dire. Bon, au final on n'aura pas besoin. Puis en fait, j'ai une idée qui germe dans la tête. Alors, je vais m'expliquer.
Là, peut-être que... Ouais, ça rend comme ça là. Peut-être que ce serait mieux de faire une grande fenêtre dans les grands virages. À vous de voir, moi je pense que je vais le personnaliser comme ça j'ai les deux. J'arrivais pas à me décider, au moins je sais le faire. Je sais quoi faire maintenant. Voilà, ça c'est parfait. Donc regardez l'ordre. Donc c'est très simple pour vous repérer. Alors je vais reboucher ça avant de vous expliquer, hein, forcément. J'ai un peu de mal, je suis un peu malade aussi. Alors c'est très simple, vous voyez, le ponton, donc le milieu, c'est deux blocs. Bon, on peut pas dire autre chose, c'est deux blocs, c'est pas un, c'est deux blocs. Voilà, donc c'est ces deux blocs-ci, ce sera votre repère. Donc après, une fois que vous avez ouvert la paroi, eh ben, vous décalez de 4 et vous faites une fenêtre de 2 de large et de 4 de hauteur. Voilà, tout simplement. Et maintenant, vous en faites partout, même aux étages inférieurs et même au dernier étage, hein, au premier étage au final. Donc, vous en ferez à tous les étages, voilà. Donc nous voici, nous voilà, on a terminé, il manque plus que les deux fenêtres là-bas. Donc je me suis peut-être un peu prononcé rapidement tout à l'heure, car je pense que ça y aura un quatrième épisode. Bah écoutez, ça fera des vidéos en plus, et puis je pense la sortir d'ici une petite semaine, le quatrième épisode. Maintenant que je n'ai plus grand-chose à faire, je pense que ça va aller vite, c'est pour ça aussi que j'avais mis du temps à sortir cette vidéo. Donc on va se reculer un peu, voir où on en est dans ce Fort Boyard. Donc le voici, le voilà, flambant neuf. On a très très bien avancé, honnêtement. Et je pense qu'il est préférable, honnêtement, de faire un quatrième épisode, qui sera l'épisode final, selon moi, pour tous les petits détails. Car tous les petits détails, c'est... Je pense que ça vaut le coup de le mettre sur ce Fort Boyard. Car là, on dirait qu'il... Il fait nu quoi, on dirait un Fort Boyard nu, il est pas habillé. Donc je pense que les détails vont beaucoup changer la donne. Donc je vous promets que ça vaudra le coup. Et on va s'arrêter là, on a déjà pas mal avancé, c'était des trucs hyper chiants à faire. Au final, on a tout mis au sol là. Enfin, on a tout fait le sol, et puis je me rends compte que, ouais, en fait, on a posé pas mal de blocs parce qu'on a refait les. Ouais, en fait, on a bien avancé, franchement, on a bien avancé, je suis content. Et il faudra faire la salle du tigre aussi. Donc, écoutez, bah, on va pas tout faire aujourd'hui. Donc, comme ça, on prendra bien le temps. Au lieu de faire une vidéo de 40 minutes, ça va peut-être vous refroidir vous aussi. Donc, vaut mieux qu'on s'arrête là. Et puis, pour repartir. De l'avant pour repartir mieux, tout simplement. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude, hein, je l'espère. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours encourageant. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous n'avez pas compris. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos et bien entendu le dernier épisode de ce Fort Boyard. Voilà, je vous souhaite à tous bah, de bons. Comment dire? Bah de passer du bon temps sur Minecraft ou sur d'autres jeux. Voilà, j'espère que le Fort Boyard vous plaît. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Bye tout le monde. C'était Kairos.